à Rennes, dans la salle de spectacle Le Liberté, la préparation pour la comédie musicale In Via bat son plein. La troupe des artistes et des danseurs va se réunir sur scène pour le dernier filage sans costume, alors chacun révise son rôle appris par cœur. C'est un duel que je fais avec Satan, représenter l'archange Saint-Michel. J'avoue, c'est quand même un honneur. Breakdance, hip-hop, les acrobaties, on a un peu mixé tout ça. Et ça a donné une super choré, je pense. On essaie de toucher, avec notre style de danse, les gens. On peut être catho et faire du hip-hop. Il y a vraiment de tout. On veut montrer, avec la diversité des danses, qu'il y a aussi une diversité chez les cathos. Ce spectacle musical va se produire pour la 7e fois. Moi, dans le cœur, ce que j'avais, c'est vraiment l'évangélisation nouvelle, sortir de nos canapés, comme disait le pape François. Et l'évangélisation nouvelle, pour moi, elle était dans un âge bien précis. L'âge qui m'avait touché aussi dans ma foi, c'est-à-dire l'adolescence, où on fait des choix. C'est un âge, pour moi, vraiment hyper important. Et je voulais aussi un spectacle qui mêle contemporain et aussi histoire de l'Église ancienne, et d'avoir justement une jonction en fait entre tout ça pour comprendre que le message de nos anciens et le message des saints d'hier colle aujourd'hui complètement à la réalité en fait de ce qu'on vit. Les jeunes, c'est vrai que c'est pas eux au tout début qui lancent les choses. Effectivement, il y a des adultes qui ont lancé, mais la place pour les jeunes, elle a vite été laissée, parce que si on voulait s'adresser aux jeunes, on pouvait pas utiliser le vocabulaire que nous on utilisait, voire même celui qu'on utilisait quand on était jeune. C'était pas possible. Donc les jeunes ont eu leur mot à dire dans les dialogues. Ils ont leur mot à dire tout le temps. Pour les danses, les chorégraphies, ils ont participé, ils ont fabriqué ce spectacle. C'est l'histoire extraordinaire de trois jeunes lycéens, les trois personnages principaux. Ils doivent traverser le temps du Moyen-Âge à nos jours pour sauver un ami. Et grâce à ce voyage, ils rencontrent beaucoup de figures emblématiques de saints comme Jeanne d'Arc ou Saint François d'Assise. Et ces rencontres vont changer leur vie pour toujours. Au début, moi je suis un personnage qui est très égocentrique. Je suis vraiment la reine du lycée, je suis la grande star. Il n'y a que moi, quoi. Enfin, je suis une princesse. Et les saints, ils vont changer ma vie. Saint François, il va vers les pouilleux, donc forcément mon personnage, ça l'interpelle énormément, parce que pour elle, il n'y a que le paraître, en fait, et c'est le maquillage, c'est les vêtements à fond. Donc là, mon personnage, il va commencer à se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, c'est quoi le but de ma vie, en fait? T'es amoureux? Oui, je suis amoureux de la plus belle des dames. Je te l'aime. Quoi ? Comme dans la vraie vie, les personnages doivent se confronter aux forces du mal qui ne veulent pas que le message des saints se répande dans le monde. Le message des saints, des époques que l'on traverse dans la comédie musicale, sont complètement actuels. De garder cette espérance malgré toutes les souffrances que l'on peut voir dans le monde. Satan, lui, il a de cesse d'essayer d'enlever cette espérance du cœur des hommes. On le voit dans la scène d'Auschwitz. Satan tente Maximilien Kolb. Surtout qu'il n'offre pas sa vie, c'est monstrueux pour Satan. Et malgré tout, Marie vient au secours de Maximilien Kolb et le relève. Regarde, ici Auschwitz, c'est le règne de la haine. Bienvenue dans ton paradis, Maximilien. Tu souffres. Ta Sainte Vierge t'a laissé tomber. Ouvre les yeux, tes prières ne sont que des coups d'épée dans l'eau. Elle ne va pas te délivrer. Tu t'es trompé sur elle. Maintenant, ton immaculé, tu dois la renier, car elle t'a menti. Maximilien Kolb, il a hésité entre soldat et franciscain. Il a finalement choisi d'être franciscain. Il s'est fait repérer par la Gestapo durant la Deuxième Guerre mondiale. Pour moi, jouer cette personne, c'est vraiment montrer au public que même brisé par tout ce qui peut nous arriver, il y a toujours une solution, il y a toujours cette porte de sortie qui est de s'abandonner en Christ. Et de vraiment voir que tout est possible avec lui. Je déverse des larmes de paix pour terrasser les peurs. Je me mure aux âmes les bienfaits pour consoler les cœurs.
travail que j'ai fait au niveau de la recherche de la vie des saints, c'était de montrer leur bravoure et leur courage. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans Jeanne d'Arc, dans Saint François, dans Jean-Paul II. Ils avaient la peur au ventre, mais en fait, ils allaient jusqu'au bout de l'appel de Dieu. Et ça, franchement, c'est des choses dont on a besoin aujourd'hui. Ce qui me fascine, c'est la fraternité et la foi des jeunes qui jouent le spectacle, parce que franchement, ils sont top, quoi. Et ça se voit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui rayonne, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous dépasse dans cette aventure. La joie, c'est une atmosphère de bienveillance, de bonheur, de vivre ensemble en fait, de vivre ensemble quelque chose de fantastique. Notre rôle en fait, quand on joue, on prie et on veut le montrer à tous ces spectateurs pour qu'ils voient cette joie de vivre et de croire en Dieu. Dernière heure avant le début, un bon moment pour se poser et prier. Seigneur Jésus, nous allons annoncer ton nom dans ce spectacle. Nous n'annonçons pas notre nom, mais ton nom, Seigneur. Alors donne-nous d'être dans la paix et dans la joie pour le proclamer, pour toucher ces personnes-là qui viennent nous voir. Saint-Esprit, descends sur nous, viens nous brûler de ton feu. Je joue Saint Jean-Paul II. C'est un personnage très fort qui a beaucoup d'assurance dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. C'est vraiment un point d'ancrage pour les jeunes. Ah bah ça me plaît, c'est vraiment c'est super bien. C'est vraiment un travail de fou et on est vraiment très contents d'être là ce soir. Les personnes qui jouent, on sent parmi elles une joie. Les comédiens sont très passionnés par ce qu'ils font et ça fait plaisir à voir. Vraiment un message de foi, moi je trouve. Enfin, chaque personnage essaie de transmettre sa foi au travers de son expérience et de la manière dont il essaie de la transmettre et c'est très fort comme message. Elle nous apprend à aller au plus loin de nous-mêmes, se dépasser pour les autres. Ainsi, à travers ces jeunes artistes, les grands saints des temps passés témoignent que chaque personne moderne est aussi capable de grands exploits si elle a un peu de foi et de courage.